Je vois tout le monde être content. Les gens même qui sont contre la FECAFOOT sont contents. On parle le nom de Eto partout. Tout le monde est Eto, Naomi Eto, Naomi Eto. Vous connaissez comment Naomi Eto a vécu pendant que vous étiez en train de combattre la fédération pour que la fédération camerounaise de football ne joue pas à Garoua. Aujourd'hui, c'est Naomi Eto. Naomi Eto. Vous avez oublié ce qui s'est passé avant. Cette petite fille-là, les Lamine Mana et tout ça, là, vous vous souvenez de leurs problèmes? C'est vous qui êtes des patriotes, non? Alors, quand on est patriote, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrange à ce que nos compatriotes qui sont engagés dans les compétitions internationales soient à l'aise et non attendre de venir bagarrer et conseiller votre petit sélectionneur qui vient de Belgique pour venir faire des problèmes. Voilà là où on vous attend. Voilà là où on vous attend. Voilà vos prérogatives qui vous dépassent. Donnez l'argent des filles là. Donnez l'argent de ces enfants. Donnez l'argent de ces enfants. Aujourd'hui, vous êtes content. Vous allez dire que oh, le ministère des Sports a tout mis en charge pour que les filles soient à l'aise. Vous mentez. Vous mentez. Donnez l'argent des enfants. Donnez l'argent de ces enfants. Voilà. Nous, on va vous aider à gérer maintenant votre ministère des Sports. On va vous aider. Parce que quand vous ne faites pas ce qu'il y a à faire, personne ne vient vous dire. Mais c'est vous qui montez les gens pour venir emmerder la FECAFOOT. C'est vous. C'est vous. Vous allez payer les primes de ces enfants. À commencer par la prime de match nul là. Il faut qu'on les paye. Monsieur le ministre des Sports, voilà vos responsabilités. Voilà là où vous devez agir. Voilà là où vous devez venir maintenant monter les muscles en disant, nous l'État, on a donné l'argent à la fédération n'a pas payé les joueuses. Voilà là où on vous attend, monsieur le ministre. Et non, allez commencer à monter les petits coups. Hein? Vous avez vu là où ces filles-là sont logées? À Bogota? Vous avez vu? Est-ce que vous avez vu? Alors, parce que vous voulez gérer 100 milliards de francs CFA des fédérations, vous êtes là, vous tournez. Monsieur le ministre des Sports, voilà là où on vous attend. Allez payer les primes des joueuses. Allez donner l'argent de l'État que l'État a donné pour ces filles-là. Allez donner ça. C'est là-bas où on vous attend. On ne vous attend pas pour venir nous parler de super fétatoire. Non. Votre gros français là, c'est là. On vous attend là-bas. On vous attend là où il y a l'argent. L'argent, le money, le cap, c'est là-bas. Il faut donner le cap des enfants là. Donner le cap. Voilà. Si vous ne voulez pas qu'on vous dise la mobilité, faites votre travail. Oui, faites votre travail. Si ces enfants n'ont pas l'argent, c'est ça le problème. Il faut que ces enfants touchent l'argent. Elles ont mouillé le maillot. Elles ont représenté le pays. Voilà. Le truc qui est ici, là, c'est le vert ou jaune. C'est ici. Et c'est le pays là que vous dites que vous dépendez. Que l'État est en place. L'État est là. Votre État, c'est seulement quand il faut prendre des décisions farfelues. Donnez l'argent des enfants là. Donnez ça. Voilà. On va vous mettre la pression maintenant. Ces enfants n'ont pas le prime. Parce que le ministère des Sports n'a pas débloqué l'argent. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Maintenant, si vous voulez, faites comme vous voulez. Mais donnez l'argent des enfants là. Voilà. Bon. De toutes les façons, bravo aux filles. Ne vous découragez pas. L'argent là va venir. Nous-mêmes, on va faire venir l'argent là. Nous-mêmes, on va faire venir l'argent là. Donc les gens ne veulent pas prendre les responsabilités. Ils sont là, ils vous encouragent. Ils vous encouragent pour garder votre argent. Après, quand vous allez venir au Cameroun, on va dire que non. Oh, les enfants n'ont pas eu leur argent. Ça va conduire combien. Depuis que Samuel est là, on n'entend pas les problèmes de prime. Hein. Non. On n'entend plus ça. On n'entend plus ça. L'équipe nationale, Seigneur, est bien gérée. Chacun son argent. Dès que vous venez, vous finissez, chacun sa prime. Voilà. Avant, quand c'était avec ces gens-là, personne n'y avait les problèmes de prime partout. Maintenant, ils veulent faire revenir ça. Parce qu'ils ne veulent pas donner l'argent, leur code part. Donnez votre code part à la fédération, donnez la code part, et puis on quitte ça. Voilà. Donc, bravo filles, vous aurez votre argent. Vous aurez votre argent. Voilà. Ciao.